parti. Bon, c'est parti. Donc la future tueuse de chevreuil qui a loupé beaucoup de choses, en particulier le sanglier. 2 décembre, donc on va remédier à ça. On va la décapsuler de sa capote. Voilà. Donc, bien sûr, hein, sécurité. Voilà, on va la poser sur le banc. Et mon ami William va se charger, bien sûr, de dompter la bête. Voilà. Sachant que la cible est là-bas dans les arbres. Et on va la filmer. Donc, conditions réelles de chasse à travers les bois. Regarde, ah, Étienne. Hein? De quoi? Règle-la, toi. Ah, tu veux que je la règle, moi? Eh ben oui. Ah, bah allez. Vas-y. Hein. Explique-nous un petit peu comment on règle une bande de battue. Alors, il faut déjà tirer la première balle. D'accord. Ensuite, pour le réglage. Pour le latéral, on va jouer sur le truglot avant. Et pour la hauteur, on va jouer sur la... sur la petite le petit bouillon là, ouais. Voilà, c'est un peu j'ai fou. Pas le nom parfait, donc voilà. Il y a juste à dévisser par une croix et on monte ou on descend selon ce qu'on a besoin. On voit ce que ça donne d'ici. Donc alors, moi la problématique que j'avais avec le chevreuil, putain, c'est pas vrai, oh. Peut-être falloir régler la bande de battue là, parce que... En particulier, c'est que il y a... Alors, on le voit pas bien là sur la bande de battue, je vais essayer de le... Non, on le voit pas bien. C'est que ça fait un petit V. Ce petit V qui est là. C'est pas évident de tenir la caméra et... Là, Bernard, tu vois... Bernard est rapide, il a des bons réflexes. Ici, et le petit bitonio qui est là. Un truc beau avant, ouais. Voilà. Là, effectivement, il est clair que il faut aligner. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit au creux? Est-ce qu'il faut qu'il soit en plein? Il faut qu'il soit au creux. Au creux, donc dans le creux du... Dans le petit creux, ici. D'accord. Il faut mettre le rond du trugo, de la mire. D'accord. Ok. Bon, allez. Donc la cible est à combien à peu près? À 60 mètres. 60 mètres. Ah ben allez. On va mettre le petite protection. Oula, je suis où là? Alors attends, je vais me mettre comme ça plutôt. Prêt? Voilà. À la virif, n'est-ce pas? Donc là, la cible est neuve. Hein. Tu dois avoir qu'une balle. La cible est neuve. Je dois avoir qu'une balle là. Alors, William? Le verdict. C'est pas dans le 10. C'est sûr, parce que mon chevreuil l'aurait su. Hein. Ah non, ouais, c'est ça. Il est en bas, bien en bas à gauche alors. En bas à gauche, ouais. D'accord. Par contre. T'as vu, il y a des petites herbes devant, donc c'est pas évident de... Alors, je vais essayer de zoomer, mais... Non, j'ai essayé, tu prends l'arbre. Ah, tu prends l'arbre, il n'y a pas le... D'accord. Outil. Ah, elle est mal réglée, bon, ben voilà. J'espère. Je pouvais toujours tirer, hein, les chevreuils. Elle est mal réglée, même le sanglier. Putain, pourtant j'étais dedans, il me semble. Alors, pour la petite explication, William? Pour la petite explication, là, dans ton cas, il va falloir donc mettre un peu plus à droite le truglot avant, la mire. D'accord. Un tout petit peu. Et pour celui-ci, on va le monter un petit peu. D'accord. Ouais. Et on va y aller à tâtons, tranquillement. Ouais, parce que là, on est à 50 mètres. À 50 mètres, c'est pas évident parce que. La cible est petite. Et puis on fait exprès de tirer en condition de chasse, là, à travers les arbres. Comme ça, on est du carréel. Du carréel. En plus, il pleut, mais bon, nous, on est à l'abri. Voilà. Ça, c'est cool. Alors.
regarde toujours aux baladouilles parce que après. Là, c'est vrai que la cible est petite. Hein. Là, j'ai essayé bien de le maintenir, tu vois, sur le. C'est vrai que tu as tendance à. Mais là, le problématique, c'est que j'ai pas beaucoup d'appui. Je préfère le tenir vers ouais, le il faut essayer de tenir, ouais. Ouais. Le baisser, le tenir. Là, elle a pas trop monté, non? Non, ça a été. Ah ben, résultat, un petit deux tours, comme au loto. Ah putain, ça tape en haut. Ça tape en haut. Attends, ça vibre là, je vois rien. Ça tape en haut dans le 5. Ouais, donc là, effectivement, si on monte, ben ça monte. Si on descend, ça descend. Ça descend. Ouais, donc on va le descendre un tout. On va redescendre de battu. Ce qu'il y avait là, on va descendre d'un petit millimètre. Donc tu as des crans sur le côté, ouais, hein, ouais. Ici, c'est fait exprès, pour avoir un repère. D'accord. Hein, comme ça, quoi, à chaque fois que tu défais, tu sais que tu es sur le deuxième cran. Ah ouais. Ok. Ça, tu dois faire des réglages. C'est reparti. C'est allez, les sangliers n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Bougez pas. Ah, je vous cale voilà. La chaise. Allez-y. Là. Allez, merci. Là, ça devrait mieux aller. Merde. Si c'est tout bancal, ça va prendre. Ah, putain, il faut que je monte un peu à l'épaule. Alors là, je suis bien dans le. Je suis bien dans le creux du V, là. Au rapport, mon colonel. Allez, plus qu'à regarder. Trop mal. En hauteur, on n'est pas trop mal. Sauf que là, t'es parti carrément à droite. Ah, j'ai dû bouger. Alors qu'on n'a pas touché le latéral. Donc, t'as eu un coup de doigt. J'ai eu un coup de doigt. Bon, je retire alors. Donc. Je retire. Le mieux, c'est ça, ouais. Bon, bah, allez, c'est reparti. Là on a pris 10 mètres quand même parce que c'est pas évident à régler à 50 mètres là. Donc là on est à combien à peu près? 50 là. 50 et on là-bas était, on était à 60. 60, ah 70. Ouais. Ok, bon allez c'est parti. J'ai les doigts froids. Hein. Ah là on voit mieux quand même. Hein. Gag. C'est chargé, non? C'est mieux. Je suis dans le 9 en bas. Tu vois, il y a une grande différence quand même, ouais. 9 en bas, il faudrait qu'elle remonte un tout petit peu, c'est bon. Monter un cran. Un cran, ça fait beaucoup quand même, hein, non? Je fais un micro. Ah, c'est une belle musique. Donc on a fait un demi. Il y avait la pointe ici. Ouais. On est passé en dessous. Au creux, cette fois-ci. Ah bah si tu l'as, si t'as 5 minutes. Comme ça, je filme mes coups de doigts. Attends, parce que là. Donc là dans le creux, hein. Ouais. Prêt ? Moi je suis là, toi t'es ici cette fois-ci. Ah, je suis, c'est-à-dire. Là t'as, voilà, t'as le coup de doigt, là, il est un peu à droite, faut faire gaffe. Il allait tourner en rond. Voilà. Maintenant tu peux essayer à bras francs si tu veux. À bras francs, allez. J'ai bougé. Bon, test caméra drift, caméra bandeau, hein. On va voir ce que ça fait. Ça commence bien, si j'allume pas la caméra, ça risque pas de marcher. Bon, est-ce que je suis bien aligné là? Bien aligné, ouais. Je vais me mettre à l'arc, ouais.
Allez. Au résultat, mon général, bah là j'ai tiré rapidement pour mettre en condition chasse et j'ai beaucoup bougé. Hein. Bah, regarde tes balles. Ouais. Ah, par contre, quand je me suis... Oh, j'ai mis un 10. Voilà. T'as 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai que cela encore. Pas mal, ouais, mais parce que là je me suis précipité, j'ai voulu. Putain, un beau 10 hein. J'ai fini un beau 10. C'est qu'elle est réglée maintenant. Elle est réglée. Bon voilà, j'ai plus d'excuses. Hein. J'ai plus d'excuses, fais voir, je vais filmer les. Impeccable. Ouais, sauf ces deux-là. Voilà, tiens, voilà. Alors la cible, la cible tombe. Allez, il est mort, on va le dépecer la cible. Voilà.